La chenille fait partie de l'ordre des lépidoptères. Au stade larvaire, celle-ci passe la majeure partie de son temps à dormir. Lorsqu'elle se réveille, la chenille n'a qu'une seule idée en tête. Encore j'ai une de ces dalles, moi. Non. Munie d'une tête ronde et dure, de pièces buccales et de mandibules puissantes conçues pour mordre, arracher et mâcher, la chenille se révèle être une dévoreuse forcenée. Les dégâts provoqués sur les activités humaines désignent souvent les chenilles comme un véritable fléau. La chenille est en fait la larve éruciforme du papillon. Une fois arrivée à son plein développement, la chenille va chercher un endroit sécurisé et en hauteur afin de tisser son cocon. Oh! Ouvre-moi, c'est pour une chrysalide! Oh! C'est bon, c'est pour s'accrocher à la grue! Allez! Une petite chrysalide, ça durera pas longtemps! J'ai pas le temps, là, bagnez-vous, merde! La chrysalide enfin accrochée, place à l'explosion, au Big Bang cellulaire. C'est long ces conneries de chrysalide là. Putain, j'ai la dalle, moi. Faut que je bouffe des frites. Ah, faut que je bouffe des frites. Après de nombreux jours de chrysalide intensive, le but premier de notre nouvel adulte est de se procurer une nourriture facilement accessible, riche et abondante. Des frites. Non mais il faut aller derrière. Je viens de sortir de ma chrysalide, j'ai la dalle. Ouais, j'ai la dalle, il faut des frites. Vous n'avez pas le droit de passer ici. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, mais je vais faire quoi maintenant, moi? Hein? Bah, le sautiller. C'est bien. Putain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais j'ai faim, j'ai la dalle. J'ai la dalle, donnez-moi des frites! Donnez-moi des frites! Donnez-moi des frites! À KFC. À présent, notre papillon se sent seul. Il va alors partir à la recherche de ses congénères, ou tout au moins d'espèces avec lesquelles il pourrait créer des liens. Tu veux être mon copain? Ouais. C'est vrai? Ouais. Allez, viens, viens, on vole ensemble. Je crevais déjà. Tu viens de te reproduire avec moi. C'est quoi le truc? C'est quoi? Faut se reproduire parce qu'il faut, faut niquer. Hein. Ouais, viens. Vas-y, viens, on se reproduit tous les deux. Non, merci. Allez. Non, non. J'ai plus que, là, j'ai plus que 23 heures. Ça fait une heure que je tourne. Oui. Allez, vas-y. Non, mais là, faut absolument que je me reproduise. J'ai que 24 heures. J'ai que 24 heures. Allez, vas-y. Je viens de sortir de ma chrysalide et c'est le bordel. Ah ouais? Ouais. Et comment tu fais pour te reproduire? Ben, je nique. Ah ouais? Bah niquer quoi, on nique. Allez, ah, putain. Est-ce que tu veux te reproduire avec moi? Non, c'est... Mais si, on, regarde, on a les mêmes couleurs, on peut se reproduire. Eh, vous voulez pas qu'on fasse un gangbang? Mais il arrive fréquemment que le papillon ne trouve pas chaussure à son pied. Dans ces cas-là, comme pour bon nombre d'espèces, le papillon finira malheureusement par se masturber. Le papillon finira malheureusement par se masturber. Allez, allez, il se tripote le papillon là. Non, c'est bon là-haut. Ça fait 2 jours que je passe pour en demeurer là. C'est bon. Il est pourri ton kino, il est nul. Tu sais pas ce que ça veut dire l'effet papillon? T'es complètement un cul, je me casse moi. Attends, on n'a pas fait le baiser de cinéma là. Quoi le baiser de cinéma? Tu le veux ton baiser de cinéma? Tiens, voilà. Tu l'as ton baiser de cinéma, c'est bon. Ah non, casse-toi toi, allez. Allez. Coupez.